Alors, durant ces dernières années, j'ai réalisé l'importance de ce scénario venu d'Allemagne, donc qui n'est présent en français que dans le livre jaune numéro 1, donc un livre à manipuler avec précaution, comme son sous-titre l'indique, Ne touchez pas ce livre, écrit par Jan von Helsing, comme le vampire, et le livre jaune numéro 2. Alors, on nous parle de ces Templiers qui se trouvaient à Jérusalem, qui se sont rendus là-bas, ayant pour mission de retrouver l'Arche d'Alliance. Et ces Templiers auraient donc retrouvé dans les sous-sols du Temple de Salomon des archives. Ces archives, il devait les ramener en France et il devait passer par le Mont Chauve et sa grotte. Ce seraient des informations qu'on aurait trouvées dans les carnets secrets de Bernard de Clairvaux, lequel aurait eu une vision. Dans cette vision, il lui était dit: tu dois envoyer des hommes à Jérusalem, ils retrouveront l'Arche d'Alliance là-bas. Ensuite, ils ramèneront l'Arche, pas l'Arche, les documents qu'ils ont trouvés là-bas. Ils trouveront une grotte sur le Mont Chauve et là, ils devront construire une pyramide. Donc, une histoire fantastique. Je serais tenté de dire incroyable, mais. Donc, on trouve ça dans le livre jaune. Et suite à ça, j'ai eu la chance de rencontrer par hasard, devant la pyramide, un homme, un Allemand, qui connaissait ce scénario, qui m'a dit: mais cela est vrai. Même si on n'a pas de preuve de tout ça, je t'assure que cela est vrai. Et grâce à cet homme, j'ai réalisé les sources qu'utilisait en fait Jan von Hensling dans son livre. Il s'agit d'un homme qu'il ne cite pas dans le livre jaune numéro 1, mais dans le numéro 2. Cet homme s'appelle Lothar Walter Gehring. Il est physicien, il est né en 1932 et décédé en 1998. Alors cet homme il a vécu des choses incroyables dans sa vie. Cet homme, dans les années 1960, commence à se passionner pour le yoga, la méditation,
et également pour la forme pyramidale. Et un jour, au cours d'une longue séance de méditation, il y a une sorte d'entité qui va s'adresser à lui et qui commence à lui délivrer un enseignement auquel il ne comprend pas grand-chose. Et au bout de plusieurs séances, on lui explique que dans le futur, on lui remettra des documents qui lui permettront de comprendre cet enseignement. Au début, il se dit qu'il a rêvé, que tout cela est absurde. Mais le temps passe. Un jour, il est sur la Côte d'Azur, il est en vacances à Cannes, et c'est pas exactement pourquoi, il se rend à Nice. Il arrive à Nice, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il fait demi-tour, et il s'arrête prendre un café vers Cannes-sur-Mer. À ce moment-là, il regarde la mer, et il voit un homme qui s'approche de lui, qui lui dit, je suis là, je vous attendais. Alors Walter Gehring est très surpris. Ah bon? Oui, j'ai des documents à vous remettre. Il faut qu'on se retrouve très vite, quelque part, dans le nord de la France, entre Paris et Rouen. Alors Gehring est très surpris, mais il prend sa voiture et il va au rendez-vous. Et on lui remet plein de documents. Des documents, il y aurait même des objets. Des objets. Il prend tout et puis il repart en Allemagne sans problème. Curieusement, à la frontière, ça passe sans problème. Et puis il va passer des années à étudier ces documents que lui a remis ce mystérieux personnage. Et il va réaliser, en étudiant ces documents, que ces documents, en fait, correspondent à ce que les Templiers avaient trouvé à Jérusalem et qui avait été pendant un temps caché dans la grotte du Mont Chauve. Et à partir de là, il va élaborer une nouvelle théorie de la matière, basée sur une double structure pyramidale, deux petites pyramides qui se touchent par leur pointe. Et alors, c'est très compliqué, c'est en allemand, donc il faudrait... Donc, et en fait, il a publié un livre de son vivant, s'appelle, je crois, on pourrait traduire par le phénomène de la vie. Et par la suite, un ami à lui a récupéré ses manuscrits et a publié 5 livres par la suite. Alors il y en a un qui s'appelle l'énergie des pyramides, et un autre, parce que je ne vous ai pas dit quelque chose d'essentiel, c'est qu'en fait, les Templiers à Jérusalem n'aurait pas retrouvé l'Arche d'Alliance, mais en fait, ils auraient retrouvé des archives remontant à l'époque de l'Atlantide. Donc il a écrit ce livre, L'héritage de l'Atlantide. Et c'est dans ces documents qui lui ont été remis qu'on parle de la vision de Bernard de Clairvaux et de la nécessité de passer par la grotte du Mont Chauve, de construire la pyramide, et en fait, les Templiers, il est aussi expliqué que les Templiers, c'est en allant étudier ce qu'ils avaient ramené de Jérusalem dans la grotte, qu'ils ont commencé à pouvoir à comprendre ce qu'ils avaient trouvé. Et en fait, ce scénario incroyable est repris dans pas mal de livres en langue allemande, dans des vidéos, et également dans un roman. Il y a un roman qui a été publié il y a 2-3 ans qui s'appelle La pyramide des Templiers, un roman, mi-autobiographique, qui est tout à fait intéressant, écrit par une jeune autrichienne avec laquelle j'ai eu la chance d'échanger quelques mails. Donc finalement, je me demande s'il n'est pas possible que la pyramide ait effectivement été construite
au Moyen Âge, puis détruite, puis reconstruite au 19e. Et il y a aussi quelque chose qui me taraude ces derniers mois, c'est qu'en fait, en étudiant de près la bibliographie, tous les textes publiés sur le sujet, on se rend compte que le seul texte en fait qui parle de la pyramide au 19e siècle, clairement, mis à part le frontispice, mais ce n'est qu'un dessin, c'est le texte de 1814 dans l'album de Louvois. Et aussi bien dans le dessin qui illustre ce texte, bon, le texte n'apporte aucun élément précis. Donc il se pourrait que ce texte ne constitue pas une preuve réelle de l'existence de la pyramide en 1814. Et que la pyramide aurait bien pu être reconstruite vers le début du XXe siècle. C'est aussi une hypothèse que je prends de plus en plus au sérieux. Donc l'affaire est loin d'être bouclée. Et sûrement que de nouveaux éléments vont surgir et nous ne sommes pas au bout de nos surprises.